Il est clair que Gianmarco Saroyo est l'un des plus beaux acteurs dans le feuilleton La Force du Cœur. En plus d'être un père aimant, il possède une âme noble et respecte les gens qui l'entourent. Cependant, dans la vraie vie, Gianmarco, de son vrai nom José Luis Resende, est tout le contraire de ce qu'on a pu nous présenter dans Corazón Valiente. Il semble-t-il que l'acteur a une longue histoire de violence et aussi que certains pensent qu'il est gay. Dans cette rubrique, nous donnerons un peu d'informations sur le sujet. Commençons. José Luis Resende, qui joue dans la telenovela Corazón Valiente sur Telemundo, est impliqué dans un énorme scandale grâce au fait qu'un assistant de production l'a accusé de l'avoir agressé physiquement. Cependant, ce n'est pas la première fois que l'ancien mannequin est accusé d'avoir agressé physiquement quelqu'un, puisque lors de sa carrière au Mexique, ses anciens partenaires l'ont accusé d'être un frappeur et ont même douté de sa sexualité. En 2004, lors de sa participation à Big Brother VIP, il a eu une histoire d'amour passagère avec Isabelle Mado, qui a avoué qu'elle était amoureuse de lui. Cependant, elle l'a accusé plus tard en disant « José Luis Resende est homosexuel ». En 2009, Vanessa Aria, qui a vécu avec lui pendant 5 ans dans une union libre, a dénoncé « J'ai vécu l'enfer avec lui, il a réprimé son homosexualité, me frappant et m'humiliant ». Cette même année, une photographie est apparue montrant Resende embrassant un homme. L'acteur a assuré que ce n'était qu'un jeu, mais que son ex, Adriana, a rendu la photo publique pour se venger de lui. L'année suivante, en 2010, son ex-petite amie Christiane Flore, avec qui il était en 2007, a déclaré « Un jour il était heureux et l'autre jour il s'énervait ». Resende a épousé Marta Verastegui en 2008, mais ils se sont séparés en 2010. Elle a déclaré, il m'a humilié et m'a poussé, un jour j'ai trouvé des pages gays sur son ordinateur. Alors cher ami, pensez-vous que le beau José Luis Resende préfère les hommes? Êtes-vous déçu de savoir qui il est vraiment? Dites-le nous en commentaire.